Que le Seigneur vous bénisse abondamment. The Lord bless you richly. Nous allons commencer une série d'enseignements sur le renversement des principautés et le brisement des liens. We are going to begin a series of teachings on the overthrow of principalities and the breaking of ties. Autrement dit, c'est un enseignement qui porte sur la délivrance d'une manière globale. In other words, it's a teaching that will talk about deliverance in a general way. Et pour commencer, nous allons lire un passage des Saintes Écritures dans le livre, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. And to begin, we are going to read from the Holy Scriptures in the book of Philippians, chapter 2, from verse 5 to verse 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. J'ai voulu commencer par le nom de Jésus pour donner une orientation, une bonne orientation dès le départ. I wanted to begin with the name of Jesus to give a good orientation from the beginning. Parce que sans Jésus, on ne peut même pas parler de la délivrance. Because without Jesus, we cannot even talk about deliverance. Et le nom de Jésus, c'est un nom qui a été donné aux hommes pour leur délivrance, pour leur salut. The name of Jesus is a name that was given to men for their deliverance and for their salvation. C'est par ce nom que Dieu concrétise sa promesse de rédemption faite à Abraham. It is by this name that God concretizes his promise made to Abraham. Et comme les apôtres disaient, c'est en Jésus qu'il y a le Amen. And as the apostles said, it is in Jesus that we have the Amen. Quand Dieu a décidé d'accomplir son plan de salut, when God decided to accomplish his salvation plan, il a choisi Abraham. He chose Abraham. Il a appelé Abraham. He called Abraham. Et lui a demandé de sortir, de quitter son pays, de quitter sa patrie. And called him to leave his fatherland, to leave his country. Pour aller s'installer dans un pays. And to go and settle in a different country. Un pays que Dieu devait lui montrer. In a country that God was to show him. Et Abraham a obéi. And Abraham obeyed. Et il est parti. And he went. Et à partir d'Abraham, and from Abraham, Dieu a créé une race qui lui appartenait. God created a race that belongs to him. Le peuple d'Israël. The people of Israel. Dieu préparait ainsi l'avènement dans le monde d'un fils, d'un sauveur, d'un Messie. By so doing, God was preparing the coming into the world of a son, of a Messiah. Et quand le temps a été accompli, and when it was time, le Seigneur Jésus est effectivement né d'une vierge. The Lord Jesus was effectively born of a virgin. Mais ce que nous voulons dire dès maintenant, but what we want to say from this point, c'est que l'élection d'Abraham ne repose pas sur le mérite d'Abraham. Is that the election of Abraham did not rest on Abraham's merit. C'est une œuvre de compassion, de miséricorde. C'est l'élection de Dieu. It is a work of compassion and mercy. It is God's election. L'élection de Dieu qui fait prévaloir sa souveraineté. The election that makes his sovereignty to come up. Et nous allons assister à une série de choses qui participent, qui découlent de l'exercice
de la souveraineté de Dieu. And we are going to see a number of things that come from God's own sovereignty. Voyons d'abord ce principe de miséricorde exprimé dans Romains chapitre 9 versets 11 à 18. Let's look at this principle of mercy that is shown in the book of Romans chapter 9 from verse 11 to verse 19. Il est écrit. This is what is written. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. For the children not yet been born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls, it was said to her, the older shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I'll have compassion on whomever I will have compassion. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. For the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Therefore, he has mercy on whom he wills, and whom he wills, he hardens. Donc, Dieu a choisi Abraham par compassion, par miséricorde. So God chose Abraham by compassion and by mercy. Et ce que Dieu demande à chacun de nous, and what God expects from each one of us, c'est d'avoir la foi et de lui obéir. Is to have faith and to obey him. Et c'est ce qu'Abraham fera plus tard. And that is what Abraham did later on. Mais pour révéler à Abraham qu'il était déjà au centre d'un plan important de rédemption, but to show Abraham that he was at the center of a very important redemption plan, Dieu a proclamé une bénédiction pour lui. God proclaimed blessings for him. Comme étant une source de bénédiction pour toutes les nations. As being a source of blessing for all nations. Lisons cela dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Let us read that in Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to the land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Abraham est donc béni. Si nous voyons très bien, Abraham est déjà béni. So Abraham is already blessed if we see clearly here. Il est déclaré source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. He is declared a source of blessing for all families of the earth. Tout ce qu'il lui faut, c'est la foi et l'obéissance. All that he needs then is faith and obedience.
La foi, c'est quoi? What is faith? C'est par la foi que les choses promises deviennent accessibles, deviennent possibles. It is through faith that things that are promised become accessible. C'est l'appropriation des promesses de Dieu. It's the appropriation of God's promises. C'est une ferme assurance que les promesses de Dieu vont s'accomplir. It is a firm assurance that God's promises will be accomplished. Et l'une des choses qui caractérise la foi, c'est l'obéissance. And one of the things that characterizes faith is obedience. C'est-à-dire la foi suscite en nous le vouloir. It means that faith raises in us the will. Le désir de satisfaire Dieu. The desire to satisfy Parce God. Que la foi nous fait contempler Dieu dans son existence, dans sa puissance. Because faith makes us to behold God in his existence and in his power. Et la foi accroche nos cœurs à la parole de la prophétie. And faith makes our hearts to stay steadfast to c'est the word of the prophecy. C'est pour cette raison qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. That's why it is said that faith comes by hearing. Et la parole de Dieu s'accompagne toujours d'une grande foi. And the word of God is always accompanied by great faith. La parole n'est pas séparée de la foi. The word is not separated from faith. Personne ne peut dire je crois en Dieu mais je doute. No one can say I believe in God but I doubt. Que quand Dieu parle je doute mais je crois que Dieu existe. That when God speaks I doubt but I believe that God exists. Parce que la parole vient avec la capacité de savoir que Dieu existe et de croire à ce qu'il dit. Because the word comes with the power to believe that God exists and to believe in what he says. Et je dis cela parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles ont la foi alors qu'elles n'ont que la connaissance. I say this because many people think that they have faith whereas they only have knowledge. Quand tu as la foi, when you have faith, tu crois à la parole de Dieu. You believe in God's word. Et la parole de Dieu suscite la foi en nous parce que la parole c'est Dieu, la parole est Dieu. And the word of God raises faith in us because the word is God. Et la parole dit que le Seigneur est celui qui suscite la foi. And the word of God tells us that it is the Lord who raises faith. Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jesus said the words that I've spoken to you are spirit and they are life. Donc quand Dieu a promis à Abraham de le protéger, de le bénir. So when God promised Abraham to protect and bless him, Abraham a cru. Abraham believed. Et la parole a commencé à s'accomplir dans sa vie. And the word began to become accomplished in his life. Donc dans le ministère, so in the ministry, pour que Dieu marche avec un frère ou un serviteur de Dieu, for God to walk with a brother or a servant of God, il faut que cette personne obéisse à ce que Dieu dit. That person needs to obey what God says. À ce que Dieu déclare. To what God declares. Vous savez, beaucoup de personnes se posent des questions sur Jésus-Christ. You know, many people are asking themselves the question about Jesus Christ. Quelqu'un me disait, est-ce que Dieu a eu une femme pour avoir un fils? Someone asked me, but did God have a wife to be able to give birth to a son? Voici ce que je peux vous dire. This is what I can tell you. Pour accomplir le dessein de Dieu. To accomplish God's purposes. Dieu a fait trois déclarations, trois proclamations. God made three declarations. Parce qu'il est souverain. Because he's sovereign. Quand il a un plan, when he has a plan, il crée les conditions pour l'exécuter. He creates conditions to execute them. La première chose, the first thing, pour la rédemption, for redemption, c'est qu'il fallait un homme sur la terre, is that a man was needed on the earth, qui soit capable de vivre pour Dieu, who will be able to live for God, et de vivre dans l'obéissance, and to live in obedience, et de mourir pour les hommes. And to die for men. Donc, il fallait quelqu'un qui accepte d'être fils de Dieu. So someone was needed who would accept to be the son of God. Il fallait quelqu'un qu'on pouvait nommer sacrificateur pour tous les hommes. Someone was needed who would be appointed as a priest for all men. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Lisons cela dans les Saintes Écritures. Let us read this in the Holy Scriptures. Hébreux chapitre 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit:
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Therefore, when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but the body you have prepared for me. In burnt offering and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Hébreux chapitre 1, verset 5. Hebrews chapter 1, verse 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. For to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you. I will be to him a father, and he shall be to me a son. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Romans chapter 1, from verse 1 to 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through the prophets in the Holy Scriptures, concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead. Ces deux versets disent que Dieu a déclaré que l'homme qu'on appelle Jésus est son fils. These verses show us that God declared that this man called Jesus Christ is his son. L'homme qui est né d'une vierge et qui a grandi à Nazareth, qu'on appelait Jésus de Nazareth, Dieu, un jour, Dieu a déclaré qu'il est son fils. That this man who was born of a virgin, born in Nazareth, who was called Jesus of Nazareth, God decided and declared one day that he is his son. Et Dieu l'a déclaré, la parole dit, Dieu l'a déclaré avec puissance. And the word of God says, God declared it with power. Par l'esprit de sainteté. By the spirit of holiness. Et par sa résurrection. And by his resurrection. C'est-à-dire, Jésus a fermé la bouche des gens. Means Jesus closed the mouths of men. Dieu a manifesté sa puissance en ramenant Jésus d'entre les morts. God manifested his power by raising Jesus Christ from the dead. À travers une résurrection incontestable. Through an incontestable resurrection. Les ennemis étaient obligés de dire que les disciples ont volé son corps. The enemies were obliged to say that the disciples had stolen his body. Parce que c'était clair. Because it was clear. Jésus est ressuscité des morts. Jesus was raised from the dead. Et puis, curieusement, personne ne s'est jamais mis à la recherche de ses disciples qui avaient volé le corps. And curiously, no one went about looking for the disciples whom they said had stolen his body. Le mensonge n'est pas éternel. Lies. Mais la vérité ici, but the truth here, par rapport à la délivrance, talking about deliverance, retenons-le très bien. Let us retain this clearly. Jésus a été déclaré, Dieu l'a déclaré son fils. God declared him his son. Vous savez que Jésus, c'est Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les hommes. You know that Jesus is God who came into the world to save men. Par processus d'incarnation. Through the process of incarnation. Mais cet enfant né d'une vierge. But this child born of a virgin. Qui a grandi, qui a vécu parmi les hommes. Who grew up and lived among men. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'a déclaré son fils. The Lord God Almighty declared him his son. Si quelqu'un a la sagesse, qu'il comprenne.
If anyone has wisdom, let him understand. Jésus, Dieu n'avait pas eu besoin d'une femme et d'un homme pour concevoir Jésus. God did not need a man or a woman to conceive Jesus. Avec puissance, avec autorité, d'une manière souveraine, Jésus est le Fils de Dieu. With authority, with power, and in a sovereign way, Jesus is the Son of God. Pourquoi? Why? Dieu a une idée. God has an idea. Il veut que Jésus soit le premier né des frères en Christ. He wants that Jesus should be the firstborn of sons in Christ. Et qu'à travers cette adoption, les hommes puissent devenir des enfants de Dieu. And that through that adoption, men should become children of God. Personne ne peut évoluer dans la délivrance sans reconnaître ces vérités simples. No one can evolve in deliverance without knowing this basic truth. Dieu avait besoin d'un fils. God needed a son. Qui soit capable de défier, de remporter la victoire là où Adam a échoué. Who will be able to win victory where Adam failed. Et que ce fils and that this son porte les souffrances should bear the suffering de toute l'humanité. Of all humanity. Et qu'il devienne le grand frère de tous les croyants. And that he should become the other brother of all believers. Et la délivrance, le brisement des liens, le renversement des principautés dépendent de ces décrets, de ces proclamations de Dieu. And deliverance, the breaking of ties, the overthrow of principalities depend on this declaration from God. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. And God did not stop there. Il fallait un sacrificateur. He needed a priest. Et Dieu a déclaré son fils sacrificateur. And God declared his son. Non, souverain sacrificateur. And God declared his son as the high priest. Pas selon l'ordre d'Aaron. Not only according mais selon l'ordre de Melchizedek. But according to the order of Melchizedek. Je dis bien pas selon l'ordre d'Aaron. I say not through the order of Aaron. Mais selon l'ordre de Melchizedek. But according to the order of Melchizedek. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Un sacerdoce sans fin. That is a priesthood that doesn't have an end. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas essayer de trouver un autre médiateur entre Dieu et les hommes. That is why we should not try to look for another mediator between God and men. Voici ce qui est écrit dans les Psaumes 110. This is what is written in Psalm 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion. Rule in the midst of your enemies. Your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning, you have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He shall execute kings in the day of his wrath. He shall judge among the nations. He shall fill the places with dead bodies. He shall execute the heads of many countries. He shall drink of the brook by the wayside. Therefore, he shall lift up the head. Et l'apôtre Paul rappelle les mêmes vérités dans l'épître aux Hébreux. And the apostle Paul remembers this same truth in the epistle to the Hebrews. Chapitre 7, versets 14 à 17. Chapter 7, from verse 14 to verse 17. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore
quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood, and it is yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. For he testifies, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Nous voyons donc ici que la rédemption repose sur la manifestation de la puissance de Dieu. So we see here that redemption rests on the manifestation of the power of God. La puissance pour créer ce qui n'existe pas. The power to create that which doesn't exist. Vous savez, pour sauver l'humanité. You know, to save humanity. Pour faire entrer le Messie dans le monde. To bring the Messiah into the world. Vous voyez ce que Dieu a fait. You see what God did. Il déclare que Jésus est son fils. He declares that Jesus is his son. Il déclare. He declares que Jésus est souverain sacrificateur. That Jesus is the high priest. Selon l'ordre de Melchizedek. In the order of Melchizedek. Il déclare. He declares que nous sommes les frères de Jésus. That we are brothers of Jesus. Bien-aimé, s'il y a délivrance dans le monde aujourd'hui au nom de Jésus, voilà les fondements de la délivrance. Brethren, if there is deliverance today in the name of Jesus, this is the foundation of that deliverance. Celui qui ne connaît pas ces vérités est déjà handicapé, sérieusement handicapé. The one who doesn't know these truths is already handicapped, seriously handicapped. Jésus est venu. Jesus came pour nous sauver. To save us. Et le Père dit. And the Father celui-ci said. Celui-ci est mon fils bien-aimé. That this is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. In whom I am well pleased. Écoutez-le. Listen to him. Dieu est puissant. God is powerful. Pour créer des conditions pour sauver l'humanité. To create the conditions in order to save humanity. Et il a ramené son fils à la vie. And he brought his son back to life. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. He raised Jesus from the dead. Nous devons croire. We must believe. Comme Abraham a cru. As Abraham believed. Lisons dans Genèse chapitre 15. Let us read in Genesis chapter 15. Verset 12 à 16. From verse 12 to verse 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Now, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham, and behold, horror and great darkness fell upon him. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterwards they shall come out with great possession. Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age, but in the fourth generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Dieu avertit Abraham ici que ses descendants allaient souffrir, allaient être des captifs, des esclaves dans un autre pays. God warns Abraham here that his descendants would suffer, that they will be captives, they will be slaves in another nation. Et Dieu précise que leur délivrance va demander l'intervention de Dieu lui-même, agissant contre les ennemis.
And God makes the precision that their deliverance will come through an intervention of God himself by bringing judgment upon their enemies. Vous voyez une grande promesse. You see a great promise. Et une prophétie annonçant des grandes épreuves. And a prophecy that announces great trials. À ce niveau, j'aimerais dire une chose. At this level, I would like to say something. Si Dieu t'a fait une promesse, if God has made a promise to you, il faut croire à son accomplissement. You must believe in its accomplishment. Même si quelque part, dans l'évolution, tu sens l'oppression de l'ennemi, il ne faut pas te décourager. Even if somewhere, while you are going on, you feel an oppression from the enemy, do not abandon. Même s'il y a des moqueurs, il ne faut pas te décourager. Even if there are mockers, do not be discouraged. Parce qu'il y a des repshakés qui peuvent venir insulter même ton Dieu et toi-même. Because there are workers who can come and insult your God and even insult you. Parce que c'est une technique de guerre. Because blasphémer, insulter, mépriser, because mentir. Because it's a war technique to blaspheme, to insult, and to lie. Mais quand on a la foi comme Abraham, on tient ferme. When we have faith like Abraham, we stand firm. Quand tes enfants doivent passer 400 ans quelque part comme esclaves, sans que cela détruise ton espérance, ta foi, c'est que tu es vraiment, tu marches avec Dieu. When your children have to go through 400 years in slavery, and that doesn't destroy your faith, then you should know that you really believe in God. Et effectivement, les enfants d'Israël sont allés en captivité en Égypte. And in fact, children of Israel went into captivity to Egypt. Et Dieu a choisi une autre personne, Moïse, pour aller les faire sortir de là. And God chose another person, Moses, to go and bring them out from there. Et une étude profonde des Saintes Écritures. And a deep study of the Holy Scriptures montre que pour sortir un peuple de l'esclavage, shows that to take a people out of slavery, il faut une réelle manifestation de la puissance de Dieu. We need a true manifestation of the power of God. Et s'il vous plaît, saisissons bien cette vérité là. Please let us lay hold of this truth. Je dis bien l'esclavage. I'm talking about slavery. Quand vous entendez que tel peuple avait des esclaves, tel roi avait des esclaves. When you hear that these people had slaves, when you hear that these kings had slaves. En fait, le principe de l'esclavage, c'est quoi? Nous allons le voir. In fact, what is the principle of slavery? Quand un sorcier a des esclaves humains, pas même en esprit, il a des esclaves qui puisent l'eau, qui préparent pour lui. Tous ces esclaves-là sont soumis à ses divinités. When a witch, a wizard has slaves, we are talking about a human level, all of those slaves are submitted to his divinity. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que pour aller sauver des gens qui sont en train de construire les murailles, qui sont des esclaves des Égyptiens, pour aller les délivrer, Dieu est amené à juger les dieux dans les airs, dans les eaux, sur la terre. Dieu est en train de combattre le diable. You see that to go and deliver people in Egypt who are building walls, God needed to fight the spirits in the air, in the waters. Parce que les hommes consacrent les esclaves à leur Dieu. Because men consecrate their slaves to their gods. Et s'ils meurent, and if they die, ils laissent les familles dans la servitude. Ceux qui sont vivants sont toujours en captivité. They leave families in slavery. Those who are still alive remain in captivity. Ne vous y trompez pas. Do not be deceived. Tous les sorciers, all witches, tous ceux qui ont signé les pactes avec le diable, all those who have signed covenants with the devil, pour devenir des grands chefs, to become big chiefs, des grands guerriers, to become big warriors, des grands chasseurs, to become big hunters, des grands danseurs, to become big dancers, tous ces pactes-là, all those pacts, font de leurs esclaves les esclaves de leur dieu, de leur démon. Make their slaves the slaves of their gods and the slaves of their demons. Les principautés qui leur ont donné cette force, cette puissance, ont acheté leurs esclaves. The principalities that gave them that power bought their slaves from them. De telle sorte qu'il y a des villages qui sont revendiqués par des puissances démoniaques. In such a way that there are villages that demonic powers lay claims to. Comme quoi, la puissance qu'ils ont dans la sorcellerie là, c'est eux qui leur ont donné cette puissance là.
to say that that power that they have in witchcraft, they are the ones that gave it. C'est-à-dire que les esprits méchants réclament des familles, des villages, des territoires, des nations en disant ça c'est ma nation, ça c'est ma ville, ça c'est mon champ. Means that evil spirits lay claims on families, villages, nations, saying that this is my nation, this is my town, this is my village, this is my family. Parce que le propriétaire était mon esclave. Because the owner, the proprietor was my slave. Sa capacité de danser et de séduire les gens, c'est moi qui lui avait donné ça. His capacity to dance and to seduce people was given to him by me. Il m'avait appelé pour l'accompagner dans ses guerres. He called upon me to accompany him in his warfares. Si bien que quand le Seigneur commence donc, quand il initie une libération ou la libération d'un peuple, c'est un combat contre les démons. In such a way that when the Lord initiates the deliverance of a people, it is a big warfare against demons. Envoyer Jésus dans le monde pour venir libérer les pauvres pécheurs devient un combat réel contre Satan lui-même. Sending Jesus into the world to save poor sinners became a true battle against Satan himself. Et un combat contre tous les prêtres de Satan. And a battle against all of Satan's priests. Vous voyez la famille d'Achab. You see the family of Ahab. Comment la femme d'Achab pratique la sorcellerie et soumet tout le peuple sous la sorcellerie. How Ahab's wife practiced witchcraft and submitted the entire family to witchcraft. Donc tu vois une femme, mais derrière c'est le démon, c'est l'armée de Satan la soutient. So you can see a lady, but behind her it is Satan, the power of demons et that puis, are backing her. Elle a des prophètes qui travaillent pour elle et pour ses dieux. And then she has prophets who work for her and for her gods. Élie doit maintenant combattre une femme et puis tous ses sorciers. And Elijah therefore had to fight against a woman and all of her wizards. Et tous les démons qui les animent. And all the demons that work in them. Si tu as compris le principe de l'esclavage, if you have understood the principle of slavery, tu peux avoir l'intelligence pour envisager le combat. You can have the knowledge to be able to go about your et warfare. Tu comprendras donc plus tard la nécessité de briser les liens, de renverser ces esprits-là. Renverser, c'est quoi? C'est à mettre fin à leur domination. Then you now know the importance of breaking ties and overthrowing those spirits. And what is the overthrowing of spirits? It is bringing an end to their dominion. C'est refuser leur règne en acceptant d'abord le règne de Jésus toi-même. It is refusing their reign by accepting the reign of Jesus Christ himself. Parce que c'est lui que Dieu a élevé pour que tout genou fléchisse devant lui. Because he's the one that God raised so that every knee should bow to him. Et que toute langue confesse que c'est lui, Jésus-Christ. And that every tongue should confess that it is he, Jesus Christ. Qui est le Seigneur sur la terre, sous la terre, dans les cieux, partout, dans tous les lieux de l'univers. And he is the Lord on earth, under the earth, in the waters, in the air, everywhere in the universe. Le nom de Jésus doit donc être bien retenu. So the name of Jesus must be well retained. Ça c'est pour avancer dans le combat spirituel. That is to go forward in spiritual warfare. Lisons quelque chose dans Proverbes. Let us read something in the book of Proverbs. Chapitre 19, verset 21. Proverbs chapter 19, verse 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Ce que Dieu a planifié s'accomplira toujours. That which God has planned will always be accomplished. Ce que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est quoi? What children of God must know is, il y a des promesses individuelles, il y a des promesses aux individus. That there are individual promises, there are promises made to individuals. Et il y a des promesses à la communauté, il y a des promesses à l'humanité. And that there is a promise made to the community, to humanity. Si tu crois, if you believe, tu es béni. You are blessed. Si tu ne crois pas, if you do not believe, tu péris. You perish. Mais les promesses de Dieu vont s'accomplir sans toi. But God's promises will be accomplished even without you. Les desseins de Dieu pour la race humaine vont s'accomplir sans toi. The purposes of God for the human race
will be accomplished without you. Si tu crois, gloire à Dieu. If you believe, praise the tu Lord. Tu seras béni. You will be blessed. Il n'y a aucun projet humain. There is no human project qui pourra mettre fin au dessein de Dieu de sauver les hommes avec les hommes avec qui il va vivre éternellement au paradis. To block God, the project of saving men who will live with God for eternity. Dieu est en train de se faire un peuple qui va l'adorer au siècle des siècles. God is making for himself a people who will worship him forever and ever. Et avant même cette fin du monde. And even before that end of the world, jugement final. Before the end of that, before that Dieu final judgment. Dieu est en train d'enrôler ceux qui vont combattre avec lui maintenant pour la bénédiction des races, de la race humaine. God is enlisting those that will fight with him now for the blessing of the human race. Lisons dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Let us read Isaiah chapter 8, verse 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun, the land of Naphtali, and afterwards more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan in Galilee of the Gentiles. Cette prophétie concerne toute la terre, tout le monde. This prophecy concerns the whole world, everyone. En fait, Dieu annonçait les temps de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. In fact, God was announcing the time of the accomplishment of the promise made to Abraham. Les temps où le monde va recevoir ou devait recevoir le Messie, le Sauveur. The time when the world had to receive the Messiah, the Savior. Selon qu'il est écrit, le peuple qui est assis dans les ténèbres voit la lumière. As it is written, the people sitting in darkness have seen a great light. C'est comme ça que Dieu travaille. That's how God works. Les gens ont des problèmes. People have problems. Ils sont assis dans les ténèbres. They are seated in darkness. Ils souffrent. They suffer. Mais Dieu envoie la lumière. But God sends the light. Dieu envoie la lumière. God sends light. Il y a des gens qui aiment tout de suite les combats. Ils aiment le combat. Mais Dieu envoie d'abord la lumière. There are people who like warfare, yes. Just upfront warfare. But God, first of all, sends the light. Le problème de l'homme, c'est quoi? What is man's problem? L'homme est assis dans les ténèbres. Man is seated in darkness. Il a perdu la gloire de Dieu. He has lost God's glory. Il est tombé dans le péché. He has fallen in sin. L'Esprit de Dieu s'est retiré. And the spirit of God has withdrawn. Les ténèbres ont envahi sa vie et son cœur. And darkness has invaded his life and his heart. Et il crie, il pleure, il gémit. He cries and weeps and groans. Il a des problèmes, des difficultés sur la terre. He has problems and difficulties on earth. Mais Dieu décide d'intervenir. But God decides to intervene. Première chose. The first thing. Il déclare. He declares. Nous avons vu que Dieu lui, quand il veut agir, il déclare. We've seen that. For God to act, he first of all makes a declaration. Et il n'y a pas d'adversaire pour s'opposer à lui. And there is no adversary to oppose. Il a dit, he said, les ténèbres, that darkness, ne régneront pas toujours sur la terre. Will not reign forever on the earth. Si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali. He said, if in the past darkness covered the land of Zebulun and Naphtali, c'est-à-dire nos vies, means that our lives, les temps à venir. In the future, vont couvrir de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, c'est-à-dire les nous. There will be glory on the earth and in the land of Galilee. That is talking about us. Ce sont des vérités qu'il faut connaître. These are truths that we must know. La délivrance est inscrite dans le plan de rédemption de Dieu. Deliverance is written in God's redemption plan. Pas dans un sous-chapitre. Not in a sub-chapter. Dans le principal chapitre. In the main chapter. Entrez dans les ténèbres. Get into the darkness. Envoyez la lumière. Send light. Dispersez les ténèbres. And scatter the darkness. Ouvrez les yeux des aveugles. Open the eyes of the blind. Ouvrez l'intelligence des gens longtemps trompés, séduits.
Open the intelligence of men who have been deceived for long. Pour qu'ils se réveillent du sommeil. So that they will wake up from sleep. Qu'ils connaissent Jésus par révélation. And that they will know Jesus by revelation. Et qu'ils saisissent l'espérance, le salut. And that they will lay hold of the hope of et salvation. Et qu'ils soient sauvés. And be saved. Il dit au chapitre 9. He says in verse 9. Verset 1 à 5. Chapter 9 from verse 1 to 5. Toujours pour annoncer cette époque, cette ère de Jésus. Still to announce this era of Jesus, il dit ceci. This is what he says. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and fuel of the fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Donc, Dieu a décidé. So God decided de sauver les hommes, de les délivrer. To save men, to deliver men. Il a dit le bâton d'oppression que l'ennemi avait, Dieu l'a, Jésus est venu l'a, le briser. He said that the rod of oppression which the enemy had, Jesus came and broke it. Et il destine tous les rebelles aux flammes. And he destined all the rebels for the flames. Jésus Christ. Jesus Christ. Il vient. He comes. Ceux qui sont dans les ténèbres le voient. Those who are in the darkness see him. Et ils entrent dans la lumière. And they get into the light. Il est le Fils de Dieu. He is the Son of God. Il est le Prince de paix. He is the Prince of Peace. Il est l'admirable. He is the admirable. Il est le Dieu puissant. He is the mighty God. Il est l'éternel. He is the mighty God. Il est vivant. He is alive. Il ne meurt point. He never dies. Il est ressuscité. He's risen. Quand il vient vers toi, when he comes to you, tu es béni. You are blessed. Parce que tu es choisi. Because you are chosen. Tu es élu pour entrer dans les promesses de Dieu. You are elected to get into God's promises. Et c'est pour cette raison que je disais dès le début. And that is why I said from the beginning. Que nous préférons commencer cette étude par le nom de Jésus. That we prefer to begin this study by the name of Jesus. Le nom de Jésus. The name of Jesus. Il est au début. He is at the beginning. Il est au milieu. In the middle, il est à la fin. And he's at the end. Tout est environné par lui. All is surrounded by him. La délivrance. Deliverance. Comme je disais. Like I was saying. Est au cœur de la rédemption. Is at the heart. Dans Ésaïe 61. In Isaiah 61. Verset 1 à 3. From verse 1 to 3. Nous allons voir la mission que le Père assigne à son Fils. We are going to see the mission that the Father assigned to his Son. La mission que Dieu assigne à celui qu'il a déclaré Fils de Dieu. The mission that God assigned to the one he declared Son of God. La mission que Dieu assigne à celui qu'il a déclaré souverain sacrificateur. The mission, selon l'ordre de Melchizedek. The mission that God assigned to the one that he appointed as the high priest in the order of Melchizedek. Isaiah 61 verset 1 à 3. Isaiah 61 from verse 1 to 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison for those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Ce que j'aimerais dire à ce niveau, what I would like to say at this level, il ne faut pas penser que le diable a croisé les mains, regardé Jésus entrer dans le monde et puis tous les sorciers sont là pour acclamer que Jésus est venu, la lumière est venue nous sauver. You should not think that the devil sat there and just folded his arms and said, oh, Jesus has come to the world, and demons sat there doing nothing and just saying that he has come into the world. À travers plusieurs révélations, through many revelations, Dieu a montré que il y a une adversité, il y a une opposition organisée pour empêcher l'entrée, l'avènement de Jésus sur la terre. God showed that there is an organized opposition to stop the coming of Jesus Christ upon the earth. Il y a plusieurs faits bibliques qui l'attestent. There are many biblical facts that attest it. Il y a par exemple la naissance de Moïse qui a été combattue d'une manière démoniaque, très satanique même. There is, for example, the birth of Moses, which was fought in a demonic way and even a satanic way. Et parce que Moïse était né ou parce qu'il devait naître, and because Moses was born or because he had to be born, l'esprit du mal a inspiré Pharaon à tuer tous les enfants mâles. The spirit of evil fait périr tous les enfants mâles. The spirit of evil inspired Pharaoh to kill all male children at that time. Mais la main de Dieu fut avec Moïse. But the hand of the Lord was with Moses. Quand Jésus est né, when Jesus was born, Herod a tué les enfants de 2 ans en descendant. Herod killed children of 2 years and below. Il pensait que l'enfant Jésus allait être parmi les morts. And he thought that the child Jesus would be among the dead. Dans le psaume 2, in Psalm 2, le Seigneur nous révèle que c'est un grand complot même. The Lord reveals to us that it is a great plot. Voici ce qui est écrit. This is what it is written. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare a decree.
The Lord has said to me, You are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall break them with a rod of iron, and you shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings. Be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all who put their trust in the Lord. Nous voyons donc ici comment le Seigneur nous révèle qu'il y a une grande opposition dans le monde contre le règne de Jésus. Here we see how the Lord reveals to us that there is a great oppression, Lord, a great opposition against the reign of Jesus. Et les enfants de Jésus, les frères de Jésus, and the brothers of Jesus, tous les disciples, all his disciples, sont appelés à exercer l'autorité pour détruire les liens, pour briser les chaînes. Will be called upon to destroy the reign and to break the chains. Il ne faut pas accepter l'autorité des méchants esprits sur le peuple de Dieu. You should not accept the authority of evil spirits over the people of God. Et personne ne doit tolérer la présence des mauvais esprits dans sa vie. And no one should tolerate the presence of evil spirits in his life. Aucune domination. No domination. Le règne, la puissance, la gloire, les richesses sont à Jésus-Christ. Reign, the reign, glory, riches, power belongs to Jesus Christ. Et quand on étudie les Écritures, when we study the scriptures, on voit que les apôtres ne s'amusaient pas avec cette affaire de renverser les puissances. We see that the apostles did not joke with this issue of overthrowing powers. Dans 2 Corinthiens, par exemple, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, verset 6. In 2 Corinthians, for example, chapter 10, from verse 4 to 6. Voici ce qui est écrit. This is what is written. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul connaît la nature de la bataille. Here we see that the apostle Paul knows the nature of the warfare. Il sait qu'il y a les principautés. He knows that there are principalities. Il sait qu'il y a les hauteurs. He knows that there are heights. Des méchants esprits au-dessus de nous dans les lieux célestes. He knows that there are evil spirits above us in the heavenly places. Il sait qu'il y a des grandes résistances, les forteresses. He knows that there are great resistances, strongholds. Et il sait que les armes que nous devons utiliser sont spirituelles. And he knows that the weapons that we must use are spiritual weapons. Mais il donne une précision. But he gives a precision. Il dit même pour délivrer les gens, that even to deliver men, il y a la capacité, la puissance pour les délivrer. He says that there is power to deliver them. Mais la seule chose, c'est que ces hommes-là doivent être obéissants à Christ. But the only condition is that these men should be obedient to Christ. Certaines personnes pensent que nous faisons le chantage quand nous demandons qu'elles se repentent avant qu'on ne les délivre. Some people think that we are doing blackmail when we ask people to repent before we deliver them. Quand tu n'es pas loyal à Jésus, when you are not loyal to Jesus, quand tu pèches volontairement, when you sin voluntarily, et que tu demandes la délivrance, and then you ask for deliverance, que personne ne te trompe qui peut te délivrer quand tu es désobéissant. Let no one deceive you that he can deliver you when you are disobedient. Je sais qu'il y a des gens qui trompent les autres. Because there are people who deceive others. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils savent qui les a envoyés. They know why they are doing it and they know who sent them. Mais si c'est Jésus qui envoie un serviteur, but if it is Jesus who sent a servant, si tu vis dans ton péché, tu bois ton alcool, tu couches avec les femmes, tu mens, tu voles, tu dis venez me délivrer, s'il te promet la délivrance, c'est qu'il te trompe. And you live in sin, you drink your alcohol, you go after women, you steal and you lie, and you tell somebody to come and deliver you, if he says that he can deliver you, then he is deceiving you. Ça veut dire qu'il cherche l'argent.
It means that he's looking for money. S'il veut ta délivrance, if he wants your deliverance, il va t'amener à obéir. He will bring you to obedience. C'est écrit. It is written. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Quand on arrive, on dit à un esprit, laisse cette femme ou laisse cet homme. When we get to a point and we tell the spirit, leave this man or leave this woman alone. L'esprit va demander pourquoi. The spirit will ask why. Je ne raconte pas les théories. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. These are not theories. These are things that we live every day. Le démon dit, c'est mon enfant, c'est, je l'ai acheté, c'est mon esclave. The demon will say, this is my child. I bought him. He's my slave. On dit, mais sors au nom de Jésus. And they say, oh, out in the name of Jesus. Il dit, non, il m'appartient. He says, no, it belongs to me. Et on prie, et les choses se compliquent. And we pray and pray and pray, and things only get more complicated. Et il n'y a pas de délivrance. And there's no deliverance. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Isaïe 59, nous attendons la délivrance et elle ne vient pas. That's why it is said in Isaiah 49 that we are expecting deliverance, but it's not coming. Parce que nos péchés sont devant nous, nous les connaissons. Because our sins are before us, we know them. Une bonne délivrance, good deliverance, commence par une vraie réconciliation avec Dieu. Begins with true reconciliation towards God. La soumission à l'esprit de Jésus. Submission to the spirit of Jesus. De telle sorte que quand tu te soumets, in such a way that when you submit yourself, tes ennemis se retrouvent face à Christ, le Seigneur éternel. Your enemies find themselves facing Christ, the eternal Lord. Certains vont même s'enfuir sans attendre que tu leur donnes des ordres. Some would even flee without you even waiting for you to give them the orders. Un autre passage dans Philippiens, dans Ephésiens chapitre 6. Another passage in Ephesians chapter 6. Verset 10 à 12. From verse 10 to 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. La lutte est contre les princes sataniques dans les lieux célestes. The battle is against spiritual principalities in the high places. Et regardez très bien. Les apôtres sont en train d'accomplir le but de Dieu, d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Consider this very carefully. The apostles were accomplishing God's goal to go and preach the good news. D'aller annoncer aux gens que Jésus va vous pardonner. To go and announce to men that Jesus will forgive you. Une mission apparemment très simple. A mission that seemed very simple. Et l'apôtre dit, and the apostle says, nous qui sommes appelés à aller dire aux gens de donner leur vie à Jésus là, notre vrai combat est contre les démons dans les lieux célestes. That we were called to go and announce the good news to those people, our true warfare is against demons. Tu peux tirer des leçons toi-même. You can draw the lessons yourself. Jésus te dit, va parler de moi aux gens. Jesus tells you, go and speak about me to people. Et l'un des combats les plus sérieux, c'est de combattre les démons qui sont dans les lieux célestes, qui sont dans les abîmes, dans les eaux, dans les forêts. Ça veut dire que quoi? La rédemption est un combat contre la servitude, contre l'esclavage du diable. C'est-à-dire que l'esclavage que le diable impose aux hommes. And you have to go and fight against demons in the abyss, in the waters, on the mountains. It shows that the work of redemption is warfare against the works of Satan. Le Seigneur peut te dire, prie pour mes enfants. The Lord can tell you, pray for my children. C'est très facile.
It seems very tu te lèves, tu te mets à genoux. And you rise up tu dis, and je prie pour les enfants de Dieu. And you kneel down and say, mais qu'est-ce que tu vas remarquer? But what will you realize? Dès que tu ouvres la bouche, and as soon as you open your mouth, tu te retrouves devant une cohorte de démons. Tu te retrouves devant l'armée du diable qui te dit d'arrêter. You find yourself before an army of the devil that tells you to stop. Un frère, une sœur a pris le jeûne pour un frère. A certain sister took a fast for a brother. Dès qu'elle voulait se reposer, as soon as she wanted to rest, une foule de personnes est venue. A crowd of people came. Dès qu'elle a fermé les yeux, elle était comme en extase. Et il lui demande, pourquoi tu veux prier pour lui? Pourquoi tu veux qu'il réussisse? As soon as she closed her eyes, she was as if she was in a trance. And they came and said, why do you want to pray for him? Why do you want him to succeed? Moi-même, j'avais pris un jeûne. I had taken a fast myself. J'ai prié pour trois sœurs malades. I was praying for three sick sisters. J'avais prié trois jours de jeûne. I took a 3-day fast. J'ai prié, j'ai cité le nom des trois sœurs malades. And I prayed and cited the names of these three sick sisters. Dès que je me suis couché sur mon dos, je ne dormais pas encore, j'avais fermé les yeux. As soon as I lay down on my back, I was not yet sleeping, I just closed my eyes. J'ai vu un esprit entrer, il passait à travers le mur. I saw a spirit coming through the wall. Et il a posé le pouce ici là, et le doigt ci arrivait là. Il m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter ce que vous avez commencé? And he laid his thumb on my face and the other finger there and started, why can't you stop this? Il n'y a pas un homme, je n'ai pas encore vu un homme sur la terre dont les doigts sont aussi longs que un, celui, le bout ci est posé là et puis l'autre touche l'autre oreille. I have never seen a man with such long fingers that the thumb is holding this side and then the index finger is holding the other side. Mais il voulait que j'arrête le jeûne. But he wanted me to stop that fast. Et je lui ai dit, I told him, nous ne pouvons pas arrêter ce que nous avons estimé salutaire. I said that we cannot stop what we think that it is saving. Il est passé à travers le mur, il est parti. And he went out through the wall and went away. Je suis convaincu que c'était Satan lui-même. I am convinced that it was Satan himself. Ou bien l'une des principautés de la maladie. Or one of the principalities of sickness. Vous voyez la relation? You see the relationship? Tu veux prier pour les gens? You want to pray for people? Les principautés sont autour de toi pour te combattre. Principalities are around you to fight you. Ceux qui négligent le combat spirituel sont dans l'erreur. Those who neglect spiritual warfare are living in error. Et ceux qui le font sans sagesse, sans intelligence, sont encore dans l'erreur. And those who are doing it without wisdom and knowledge are in error. Donc sera tout expliqué. The Lord explained everything. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. In 2 Peter chapter 2 verse 4. Voici ce qui est écrit. This is what is written. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. 2 Peter chapter 2, verse 4. We could have read to verse 7, but we'll just read verse 4. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Et nous voyons, Paul a déjà dit que nous avons des esprits dans les lieux célestes. You see here, Paul has already told us that there are spirits in the heavenly places. Et si on nous parle des abîmes, and here you talk about the abyss. Yeah, donc ça veut dire qu'il y a une autre, il y a des puissances des abîmes. It means that there are powers in the abyss. Il y a les puissances des eaux. There are powers in the waters. Quand David dit qu'il m'a délivré des grandes eaux, il y a la puissance des eaux. When David says that he delivered me from the great waters, there are powers in the waters. Il y a la puissance du séjour des morts. There are powers in Hades. Et Jésus a donné l'autorité à l'Église pour casser les portes du séjour des morts. And Jesus has given power to the church to break the gates of Hades. Il y a les collines, les montagnes, il y a les territoires. Les démons ont des domaines d'existence. What I'm trying to say is that demons have domains of existence. Certains sont dans les eaux, dans les abîmes, dans les montagnes, dans les forêts. There are some that are in the waters, in the abyss, in the mountains and in the forests. Et dans chacun de ces domaines, il y a des trônes, il y a une principauté qui règne là-bas. And in each of these domains, there is a throne and there's a principality. Who reigns there? Il y a des esprits de mort dans le séjour des morts. There are spirits of death in Hades. Il y a des esprits des eaux. There are spirits in waters. Il y a ceux qui adorent les serpents, par exemple, leur puissance vient des eaux. People worship
The serpent, for example, their power comes from the waters. La Bible parle de ce serpent ancien, le Léviathan. The Bible talks of this ancient serpent, the Leviathan. Et la Bible parle des démons qui viennent des abîmes. And the Bible talks about demons that come from the abyss. Donc, le croyant ou alors l'Église doit faire face à ces puissances des ténèbres. So the believer or the church must be able to face this powers of darkness. Pour accomplir l'œuvre que Jésus leur a donnée. To accomplish the work that Jesus has given to them. Et ça ne doit surprendre personne. And no one should be surprised at this. Parce que dans la grande commission, dans ce que nous appelons la grande commission. Because in what we call the great commission. Marc chapitre 16. Mark chapter 16. Verset 15 à 18. From verse 15 to verse 18. Puis il leur dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Je sais que quand Jésus disait ceci aux apôtres, je crois qu'ils n'avaient pas compris. I think that when Jesus was saying this to the apostles, they did not understand. Parce que la plupart des vérités avaient été comprises après sa résurrection. Because most of these truths were après son ascension même. Most of these truths were understood after his ascension. Quand ils ont commencé le ministère après son ascension, c'est là qu'ils ont réalisé que l'opposition contre les hommes et contre les démons était réelle. Is when he had gone up and when they had started the ministry that they realized that the opposition against demons and against men was real. Les hommes entre les mains du diable agissent dans le physique. Men who are in the hands of the devil walk in the physical. Et les démons agissent dans l'invisible. And demons walk in the invisible. Mais le fait de les bénir en disant qu'ils vont chasser les démons montre déjà à tout le monde, à chacun de nous, que Jésus voulait nous initier à un combat spirituel très grand. But the fact that he blesses them and tells them that they will cast out demons shows us that Jesus was initiating us into very big spiritual warfare. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 18. If we read from Matthew chapter 18. Versets 18 à 20. Verse 18 to 20. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Donc, le Seigneur Jésus a pris les dispositions légales selon la juridiction divine pour que l'Église ait l'autorité, pour que les enfants de Dieu aient l'autorité sur la malédiction et sur toutes les forces derrière la malédiction. So Jesus put in place the legal dispositions that is according to the jurisdiction of heaven so that the children of God will have the power against curses and all of the spirits that are behind curses.
Il est impossible qu'un démon dise à un frère, je ne connais pas Jésus. It is impossible for a demon to tell a brother that he doesn't know Jesus. Si tu chasses les démons, if you are casting out demons, si tu dis à un démon, sors au nom de Jésus. If a demon tell, if you tell a demon out in the name of Jesus, le démon saura que tu lui as parlé au nom de celui qui a vaincu. The demon will know that you are speaking to him in the name of the one who has overcome. Au nom de celui qui les a vaincus. Or in the name of the one who has overcome et qui, them. Et qui a établi l'église. And who has established the church. Dans Luc chapitre 10 par exemple. In Luke chapter 10 for example. Verset 17 à 19. From verse 17 to 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Then the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Les apôtres étaient surpris. The apostles were surprised. Parce que quand ils partaient, Jésus leur a demandé de guérir les malades, de purifier les lépreux. Because when they were going, Jesus asked them to heal the sick and to cleanse la bonne nouvelle, to preach the good news. Et puis quand ils sont partis, and when they went, les démons tremblaient. Demons were trembling. Et ils viennent rendre compte à Jésus que mais comment, même les démons étaient soumis. And they came and testified to Jesus that even the demons submitted. Jésus leur dit, je vous ai déjà donné le pouvoir. And Jesus told them, I have already given you the power. Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. To walk on snakes and scorpions. Quand Jésus te dit, va me servir. When Jesus tells you, go and serve me. Tu es établi pour exercer l'autorité en son nom. You are established to exercise authority in his name. Les démons même nous sont soumis. Even the demons submitted to us. Et le Seigneur Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. And the Lord Jesus tells them, I saw Satan falling down like lightning. Donc quand les enfants de Dieu travaillent, so when the children of God work, quand ils sont en prière, quand ils sont en train d'organiser une campagne, when they are in prayer, when they are organizing a campaign, il y a une débandade, une confusion totale dans le monde des ténèbres. There is total confusion in the kingdom of darkness. Les esprits élevés en autorité tombent, c'est-à-dire sont renversés. The spirits that are raised to authority fall. It means that they are overthrown. Ceux qui sont sortis des abîmes retournent dans les abîmes. Those that came from the abyss go back to the abyss. Ceux qui sont venus de séjour de mort retournent là où ils sont sortis. Those who came from Hades go back to where they came from. En fait, ce que j'aimerais qu'on sache, c'est que la rédemption a inscrit la délivrance au premier chapitre. What I want us to understand is that redemption has inscribed deliverance in the first chapter. Il ne faut pas rendre ministère de délivrance avec complexe. You should not render the deliverance ministry with complex. Ne vois pas un démon se manifester et tu dis, si je chasse le démon, les gens vont penser que je ne prêche pas la sanctification. Tu commences à dire, soyez saints, soyez saints. You don't see a demon manifesting before you and then You tell yourself that if I cast out this demon, people will say I'm not preaching sanctification, and then you start saying, be holy, be holy. Enseigne aux gens à se sanctifier. Teach people to sanctify pour themselves. Pour entrer au ciel. To go to heaven. Mais si tu vois un démon qui se manifeste, but if you see a demon that manifests, cast it out. Tu as l'autorité. You have the authority. Et si un frère, si tu nous écoutes peut-être pour la première fois, maybe you are listening to us for the first time. Maybe you are a brother. Si tu rencontres un enfant de Dieu, if you find a child of God, qui veut que tu donnes ta vie à Jésus, who wants you to give your life to avant Jesus, avant qu'il ne prie pour toi, before he prays for you, ne l'insulte pas. Do not insult him. Ne le déteste pas. Do not detest him. C'est lui qui veut ton vrai bien. That is the person who really wants your good. C'est lui qui veut ta vraie délivrance. He is the one that wants your true deliverance. J'ai rencontré beaucoup de cas. I've met so many cases. Des gens qu'on a commencé à délivrer sans Jésus. People that there are people that who are started receiving ministry without dans Jesus. D'autres milieux.
in other environments, quand ces gens sont venus, when they came, nous avons pris du temps, we took off time, pour leur donner le vrai Jésus, to give them the true Jesus. Et ces gens expriment encore leur joie jusqu'à ce jour. And those people express their joy right up to this day. D'avoir rencontré la vérité. For having met the truth. Et ils ont rencontré la vérité. And they met the truth. Et ils ont connu la vérité. And they have known the truth. Et le Seigneur les a délivrés. And the Lord has delivered them. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Because it's written, you shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Nous allons continuer cette étude la semaine prochaine, mercredi prochain. We're going to continue this study next week. Mercredi prochain, nous allons parler du principe de l'esclavage. Next week, Wednesday, we are going to talk about the principle of slavery. Nous allons travailler ensemble de telle sorte que tu sois capable de voir pourquoi on doit briser les liens et pourquoi on doit renverser les principautés. We are going to work together so that you see clearly why we must break ties and why we must overthrow principalities. Et pourquoi tu dois même rechercher la délivrance tout court. And why you must seek deliverance. Et comment chacun doit veiller pour demeurer ferme, debout, fort. And how each one must work to stay firm and strong. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Et je vais élever une seule prière. I'm going to raise up one prayer. Que le Seigneur accorde la révélation. That the Lord should grant revelation. Nous avons dit beaucoup de choses. We have said many things. Mais ce n'est pas ce qui est important. But that's not what is important. Ce qui est important, c'est ce qui t'est imparti par révélation. What is important is that which is imparted to you by revelation. Parce que c'est ça qui t'appartient. Because that is what belongs to you. Les choses révélées appartiennent à l'homme. The things that are revealed belong to man. Ce que Dieu t'a révélé, c'est ça ta richesse. That which God reveals to you is your true riches. Ce qui est encore caché et appartient au Seigneur éternel. That which is still hidden belongs to the Lord. Seigneur notre Père. Lord our Father. Avec un langage limité. With a limited language. Nous avons parlé des choses au poids éternel inestimable. We have spoken about things with eternal weight that we cannot fathom. Nous comptons sur toi. And we count on you pour produire la connaissance, to produce knowledge, la compréhension, to produce understanding, la révélation, produce revelation, afin que les conversions soient authentiques, so that conversions will be genuine, et que l'ennemi soit exposé, and that the enemy will be exposed, et que tes enfants deviennent intelligents, sages pour combattre, and that your children will become intelligent and wise to fight, et qu'à la fin de cette série d'études, so that at the end of this series of teachings, plusieurs soient délivrés des démons les plus résistants. Many will be delivered from the most resistant demons. Que plusieurs soient délivrés de pauvreté chronique. That many will be delivered from chronic poverty. Que beaucoup trouvent des solutions là où ils n'avaient jamais vu de solution. That many will find solutions where they had never had solutions. Fais-le, nous t'en supplions. Lord, do it, we plead. La conquête est à toi. Belongs to you. Les âmes t'appartiennent. The souls belong to you. L'ennemi qui s'est levé. The enemy that has risen, s'est levé contre toi, has risen against you, mais il est déjà vaincu. And he has already been overcome. Parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours. Because you said, I'm with you every day. Jusqu'à la fin du monde. Right up to the end of the age. À toi l'honneur et la louange. To you be the glory and praise. Au siècle des siècles. Forever and ever. Amen. Amen. À mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. See you next Wednesday. May God bless you.